Glutonax en loser au début. Donc, hâte de voir la revanche. Juste toi là, du coup. Quoi ? Ça va jouer quoi là ? Pokémon Trainer contre Félinferno. Okay. Contre Félinferno ? Ouais. Si jamais vous voulez changer les joueurs. Je te laisse faire. Plus tard. Je te laisse virer. D'accord. Bon, on rappellera pas. Ok, donc ouais, Céline contre Pokémon Trainer. Bah, ça prend trop de temps, donc ok, petit combo. Petit combo contré, du coup. Mais surtout, là, il y a le compte de chargé, et du coup, il y a 70% qui peut partir à tout moment. Malheureusement, ou heureusement, hein, ce n'est que 20%, même si c'est déjà pas mal. Le side B qui part, ça met offstage, il y a peut-être switch. Ledge guard va passer. Oh, là, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, le baiser. Mais y a moyen. Avec le drift, non, je pense. Il en venait pas, hein. Bah, avec le drift. On se pas, hein. Je sais pas. C'était greedy, on est tous d'accord. C'était très greedy. Des combos peut-être ? Attention, faut faire gaffe en fait au 20 billes du coup. Moi, je suis content, là, il y a Glutonax qui a une bonne avance. J'ai alors, un peu envie de le voir gagner. Faut réussir à la garder. Oula, oula, attention à l'hard dodge quand même. J'ai eu peur que ça connecte pas. Là, un fer tue, hein, même si c'est Draco Feu. Ouais, pas au milieu du stage par contre. Non, pas au milieu. Oh le bâtière ! Oh, il est monté si haut ce bâtière, cette queue ! C'est tellement pété. Attention, pas compter. C'est pété. C'est Pokémon Trainer. C'est pété. En effet. Je pense que là il devrait switch sur. Ouais, bah il est mort. Il aurait dû switch sur Evisor. Bah il serait pas mort. Il serait mort quand même. Il serait mort quand même, mais il aurait dû jouer à distance. Il a éclaté parce que Daddy SkyJ. C'est vrai, SkyJ a win donc. Il a win quoi, SkyJ ? Contre Spargo. Putain, incroyable. Le Yoshi de Spargo. Non, regarde-toi, mais qu'est-ce qu'il pète ? T'as pas vu le Yoshi de Spargo ? T'as vu la plante de Spargo, mec ? Non. Est-ce que vous avez vu la Wi-Fi de Zomba ? Non. Non, mais t'en as parlé. C'est un vrai truc. Ah, arrête. Mais Wi-Fi, en vrai, c'est sous-côté, je pense. Hein. C'est un des meilleurs persos. De toute façon, tous les persos de Smash sont bons, hein, faut arrêter. Oui. Même Little Mac, en vrai, c'est ouais, un ouais. Il y a une reco horizontale passable. Il y a... En vrai, le seul perso pas ouf de Smash, c'est Solo Popo. Solo Popo. Solo Popo. Solo Popo. Genre tu tues Bah le pirate B du jeu, tu tues pas. Oui bah oui. Oh ça tue. Ah ouais ça. Ouais bah oui oui oui, de toute façon il a toutes ses. Oh c'est parti. Oh un side B. Il l'avait fait. Faut voir le side B. Il l'avait vu pourtant. Il a toujours. Putain le side B il est à 3%, ça va pas servir à grand chose. Non mais le side B il met 70 hein. Ah ouais 70. Ah ouais ouais. Là par contre il perd. Bah là il a perdu ouais. Avec le grab. Enfin, il met. Ouais, dangereux quand même. Ça revient pas. Il a plus de saut. Ah, il a plus de saut, dommage. Bien vu, j'avais pas vu qu'il y a plus de saut. Une bonne acuité visuelle. 5 dixièmes à ma droite. Bon. Attention, okay. Le grab peut-être. Ouais, bien sûr. Un edgeguard à l'eau, ça peut tuer un félin. Ah, il va pas. Je pense qu'il avait peur du Danby. Il s'est dit peut-être que c'est pas trop. Amalgam, c'est un des joueurs qui joue le plus safe au Havre. Le plus safe ? Bah, il joue vraiment. Il joue safe. Nous, on bourre tous au Havre. Ouais, d'accord. Ouais, c'est le seul qui allume son cerveau en fait. le smash. Ouais. Attention. Ouais, non. Tu sais, bon, quand c'est pas la peine d'allumer le cerveau, bah. C'est pas la peine. Oh, ça take pas, ça part sur un up B direct. Ah ouais. Le B de. On est sur du BO3 ou du BO5 là ? BO5, BO5. BO5 déjà. Un sacré up B assassin nous a sorti ce cher amalgame. Et on n'a pas envie de revoir la même chose qu'au tout début de. De la winner. Moi je pense sur Smashville ça devrait être mieux. Pour Féline. Ouais, oui, pour Féline, oui, ouais, je pense que c'est mieux. Mais moi je suis dégoûté qu'ils aient ban Lylat. Map de merde. En vrai, c'est. Niveau l'obation. Non, mais en fait, Lylat c'est des petites maps maintenant, on a que des grandes maps. Après, je suis vraiment pas sûr que. Est-ce que TC c'est une bonne chose pour Féline ? Bah, en fait, c'est comme Roy un peu fait l'Inferno. T'es content de tuer tôt sur les Blast Zone des côtés. Ouais, mais la map est tellement grande. Ouais, c'est vrai. S'il se fait un peu camper, c'est chiant quoi. Mais quand il a pas accès à d'autres maps, mais quand il a pas accès à Lylat, tu vois, Amalgam il peut ban toutes les petites maps. Ouais. C'est pour ça que pour moi, ban Lylat c'était pas. Ah non, toutes les petites maps. Bah. Les petites maps, c'est. Il y en a beaucoup quand même. Yoshi Story, Small BF et Smashville. Ça fait 3 balles. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a quand même BF avec. Oh non, c'est le DC maintenant. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe par contre. Je me sens entendre parler, j'ai pas de chute. Bah, il a lancé son neutral B, ça l'a tué. Tu disais ? Non, bah laisse tomber, attends, on va commenter. Ok. Pas passer le foot. Est-ce qu'il va réussir à commettre ? D'accord. Un F-Smash peut-être ? Non. Ça switch pas, hein, 71%. Enfin, peut-être switch. Wow. Il switch pas, il s'en fout. Il joue pas en mode Monado, à mon avis, il regarde plus les pourcents de son adversaire. Il a trop peur. Oui, c'est vrai qu'avec les pourcentages. C'est... Oui, t'as envie de faire là, tes combos, combos, ouais, c'est sûr. Et moi, là, mid-pourcent, il préfère switch, je pense. Peut-être. Et non, il veut juste un fan de carapuce. À mon avis, il veut voler les stocks.
Ouais, parce que là en fait il peut. Ouais, il peut partir vite. Voilà, un petit switch rapide bien quand même. Il peut attraper au-dessus du ledge avec son. Ouais. C'est comme un taser en fait. Faut l'anglais ? Faut genre remettre un angle ? Non, même pas, non, je crois pas. Ok. C'est comme un taser en fait, c'est juste ça va grab le truc. Le side B, ouais. Original, mais. Non, mais non, il a raison, hein. Vu que Finisano est très lent sur le sol. Ah ouais, ça lui permettait de récupérer, bah ça fait quand même 20%. Ça met 20% de quoi ? Bah, peut-être pas 20, mais 10 alors. De faire le side B pour Draco ? Ouais. Je savais même pas ça. Je fais pas bien. Il prend des dégâts, ça c'est sûr. Ah oui, effectivement. Une dizaine de pourcents. Quand ça touche le shield, il prend encore plus. Ça tue pas ! 161 par contre, la mort. Bah ouais, il s'en fout de 140 à 161. De toute façon, contre un Felicerno, tu crèves à 130 ou à 160. Le Bakar, hein, si pareil, il se prépare peut-être. Et ça B-reverse. Là, il veut le Bakar. Il veut clairement le Bakar. Oh non ! Moi, je voyais une dash attack. Ah bah là, il est mort. Non ! Il est mort. Il a pas le chercher. Wow, c'était franchement. Il aurait pu chercher avec un fer, je pense que c'était bon. Glutonax, je tiens à souligner qu'il a pas paniqué parce qu'il a réussi à B-reverse son MB là. C'était... Ouais. C'était quand même quelque chose. Il serait trompé sur les inputs, ça aurait été dommage. Et la situation prêtait à la panique. Ouais, mais là tu joues Carapuce, tu vas pas tuer Amalgam. T'en plonger quand même. Ouais, non. Ouais. Surtout que là, il avait vraiment aucun avantage à garder Carapuce. Non, clairement. Ok, la punish, un neutral B, bon. Il a fait le. C'est bien neutral B. Ok, et là, la stock elle peut partir. Oui, ah, bah voilà, elle est partie. Elle est disparue. Je parlais des deux côtés. D'accord, ok. 60%. Okay. Est-ce que ça peut combattre ? Oh, attention, les petits. Non, dommage. Ah, le combo, oh, voilà, Edge Guard. Oh, il a eu chaud là. Ah, dommage. Dommage pour. Il n'y a pas beaucoup de smash hein, du côté de Glutonax. Et dès que je dis ça, il y a des smash qui sortent. Il faisait le side B, c'était terminé, je pense. Hein. Ah ouais ? J'ai dû le déconcentrer peut-être. Je ne dirai plus rien. Attention. Bakker. Ouais, attention. Oh bah là. Oh non, bah ouais ça. Et là, Dracofeu, ça s'en va. Il est parti trop loin du coup. Là, pour Arthros, ça tue peut-être. Hein. Non, c'est Dracofeu quand même. Ouais, c'est vrai. Le side B encore. Oh, attention. Il essaye de le douiller là. Est-ce qu'il va le camper avec C'est fini, c'est terminé. Oui, c'est là, terminé. C'est le décès. C'est terminé. Même le Vaxro, non, je rigole. Le Vaxro serait tellement pas tué. 45% à 0. En vrai, y a moyen de. C'est Félin. Enfin, Ouais. Y a pas beaucoup de persos qui comeback aussi bien que Félin. J'ai la montée. Non, je sais pas s'il a fait des comebacks, j'ai pas vu la game, mais tranquille. Bah, il a juste besoin de un contre. Il aurait presque, Okay. Reverse. Non. Et malheureusement, là c'était un short-up pour moi. Un missing pull de short-up. Ok. Wouah, là c'est atterrir sur. Il arrive à bien catch les air dodge avec le neutral dodge à chaque fois. Ouais. Mais là c'était pas une air dodge, hein. Il a réussi à. L'air dodge de la game. Oh, attention le B. Ouais, c'est dangereux. Ok. Ça joue posé, ça essaye de faire la là. Chaque touche peut être définitive. Oh là, le B, toujours le B, faut pas l'oublier celui-là. Aïe, il fait de mieux en mieux, il s'en sort de mieux en mieux. Ouais, il va peut-être assister à un reverse 3-0. C'était bien serré. Alors, reverse 3-0, bon, déjà faut. Déjà, prends une game. C'est BO5, hein. Ouais. Bien joué quand même, mais c'est pas encore la fin. Est-ce qu'il va rester sur TC ? Ah, il reste sur TC jusqu'au. Bah oui, il n'y a pas de meilleure map pour Félin. Ah ouais ? Bah. Il va tuer sur les côtés en fait, mais. Ouais, mais. Ouais. Il y a quoi de plus petit. Peut-être. BF, en vrai, c'est BF le choix. Ouais, je pense, oui. En plus, t'as quelques petits combos, je pense, avec le. Contre un bug bizarre, t'as pas envie d'aller sur BF. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Et au moins, il perdra pas sa stock à presque 0 en début de game et il s'en sortira beaucoup mieux, je pense. Ouais, le grab, c'est pas passé là. Ah, par contre, le grab là, il va partir. B, c'était un peu attention, triste. Parce que s'il part mal. Mais c'est que 34%, il faut pas perdre espoir. Bien sûr, mais. Sur une musique épique. T'as plusieurs fois le neutral, ça met mal mentalement, donc. Sachant qu'il a déjà perdu 2 games. Peut-être que là, niveau mental, ça va craquer. Et oh là là, c'était un fier, ça c'était marche, fini. Ça hein. Marche. Un fier, c'était terminé. Hein. Il a claqué son saut, je pense. Hein. Je sais pas. Oui. Ok, nickel, voilà. C'est presque c'est Elon. Presque. Un F smash, le mec est mort, j'ai envie de dire. il m'a confondu. Faut déjà l'attendre. En vrai, quand je parle, il fait le bi. Oh, le contre, ça okay, c'est bien, ça c'est un contre de fou, ça par contre. Oh, danger. Ça c'est un contre de fou. Oh, dangereux. Oh, le downer qui tombe. C'est le downer qui a spike là. Ouais, c'est le downer qui spike. C'est un des rares spikes qui est tellement puissant, tu vois, que c'est à peine hype. C'est à peine hype. Tellement facile à mettre que c'est pas hype. Bah en vrai. Dommage, même si c'est quand même hype, c'est un spike quoi. Bah justement, okay. les spikes. Oh là. Sur cette tech loupée. C'est un peu bizarre, les deux sont loupés mais. Je pense Amalgam s'en va un peu d'avoir loupé cette tech, mais d'un autre côté, c'est pas non plus un énorme retard qu'il a pris.
Non, c'est bah il est toujours en avance, oh mais. Par contre, s'il trouve un compte sur le side B, j'ai vu le futur là. S'il trouve un compte sur le side B, en plus, il voit venir, il peut pas le cancel. S'il ouais. met un side B derrière, c'est bye bye. Ah, le feu de Bowser. Un petit air dodge pour retourner sur le. Sur la ledge, ouais, ouais. Glutonax, c'est. Oh, attention! Oui! Non, pas de oui, non, bah non, c'est un fer qui l'habite dedans, c'est pas un dent. Je pensais que c'était un dent de B, j'ai c'était pas un dent de B. J'ai vu que ça avait clanqué un truc, j'étais en mais c'est dormé. C'est pas un dent de B, non. Mais le dent de B, il prend qu'un coup, je crois. Et vu qu'il y a deux hitbox. Non, il s'en branle, il a de l'invincibilité après. Ouais, ah, je ouais. crois qu'après il repousse en plus avec non, mais sinon le move c'est trop nul. Genre tu te prends un même type, bah c'est bon, t'as perdu. Ça... Non, bah ouais, puis en plus ça fait des dégâts derrière, donc ça va juste repousser le mec. Ouais, mais il est armé. Non, je pense pas. Non, il a pas d'armor. Bah, sur le deuxième hit, je crois pas. Hein. Je pense pas qu'il ait de l'armor sur le deuxième hit, le Dracopé. Ah, ça fouette son adversaire. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va réussir à trouver le kill? Ouais, là, en backer. Tu as assez vite là, mais. Attention au up B sous le terrain. Voilà. Ouais. Oh non! Le fer, ça! C'était le fer! Ouais, mais à mon avis, il a un peu paniqué au niveau des pourcents, il a pas fait gaffe. Peut-être, ouais. 140, ouais. Un fer, ça tue là. Voilà. C'est bien, ouais. Il a, réussi à bien avancer tranquillement. Là. Il a fait 14 fers par contre. Oui, il a fait 14 fers. Mais bon, c'est ce qu'il faut pour trouver le kill. Oh, c'est parti! Side B. Non, grab. Ok, il préfère le premier pourcent facile. Non, mais c'est pas le. Non, mais... Il avait plus le truc. Ouais, il avait pas, mais bon. C'est pas si grave. Oh, hey, il commence à avoir les balls de punir le. Ouais, mais les balls, ça lui a coûté cher tout à l'heure, donc. Ouais, c'est vrai. Faire attention à pas avoir trop les balls. Un peu trop dangereux. Oh, le feu. Nice, le nerf qui sort de ça. C'est peut-être le problème. Attention, ouais. Ça survit. En vrai, je suis débile sur ce coup, moi aussi. C'est une dinguerie. Ok, ça remonte. Attention quand même à ce saut là. Le backstraw, tu peux encore, je pense. Ouais, okay. Par contre, le backer, ouais. Le backer, il pardonne pas. Ok, le backstraw, toujours pas. Le backstraw, ça tue. Ça tue. Quoi? Le backstraw, ça tue. Mais sur PC en plus. C'est un 3Z. C'est un 3Z autoritaire. Et même ouais. si les games étaient serrés quand même. Mais moi, j'ai bien aimé. Je trouvais la game. Je trouvais le set plutôt swag. Bon, allez, je vais me taper un Yoshi là. J'espère pas.